Bonjour. Voilà, donc je me retrouve devant le logiciel Audacity pour vous montrer comment, avec ce logiciel gratuit, qui fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC, on peut faire le mixage, la fusion des deux fichiers, comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente. Alors, ici, je suis sur mon Mac. Mais par contre, si vous êtes sur PC, en dehors du fait que l'installation, le téléchargement des logiciels sont différents, mais ça je vous le laisse faire, ici au niveau de l'utilisation, les menus sont identiques. Donc ce que je vais faire devant vous avec Audacity sur Mac, vous pourrez le trouver exactement sur PC. Alors, la première des choses, c'est tout simplement de cliquer sur Fichier, aller ici sur Importer. Importer audio. Là, on va afficher un navigateur. Moi, j'ai laissé mes, comment dirais-je, les deux fichiers que je veux mixer sur mon bureau, c'est-à-dire j'ai à la fois le programme que j'ai acheté sur alpharelaxation.fr, perso méditation 45, et j'ai ici ma méditation personnelle qui fait aussi 45 minutes. Donc, mon objectif, cette méditation personnelle qui, elle, n'a que du son et de la musique, je vais donc la mixer avec le programme pour avoir la méditation, la musique, le son binaural et les fréquences lumineuses du casino. Ah ben alors, je commence par importer donc la méditation, le fichier de ma méditation personnelle. Vous voyez qu'ici, il est en MP3, tel que vous l'avez téléchargé. On va voir tout à l'heure qu'il faut choisir toujours un niveau MP3 de très très bonne qualité. Donc ici, je clique donc sur méditation personnelle et je clique en bas sur ouvrir. Voilà. Donc vous voyez que c'est en train de l'importer dans le logiciel. Voilà, on va le laisser faire tranquillement. Voilà, c'est fait. Là, vous voyez que ça, on voit les ondes du son qui apparaissent. Ensuite, je refais la même opération, de nouveau importer, audio. Voilà. Cette fois-ci, je vais choisir le programme Casina. Ouvrir. Ça va s'importer également. Donc, je vais attendre l'importation. Ça prend un petit peu moins d'une minute. Voilà. Une fois que les deux pistes vont être importées dans Audacity. Voilà qui est fait. Alors vous voyez ici, là ici sur la piste précédente, le stéréo est mélangé, alors qu'ici nous avons, ce qui est normal, au niveau de l'audio du Casina, une oreille gauche, une oreille droite bien distincte et bien séparée. Me voilà donc avec mes deux pistes téléchargées. Maintenant, je vais cliquer sur Sélectionner et je sélectionne tout. Ensuite, je vais sur Piste et là, je choisis Mix. Et là, je choisis Mix et rendu vers une nouvelle piste. C'est parti. Alors, il faut juste laisser les choses se faire. Ensuite, cette piste va apparaître en dessous des deux autres et constituera un mix des deux pistes précédentes. Voilà. Donc, vous voyez quand je remonte, ici, vous voyez la piste qui représente bien un mix des deux. Donc là, vous voyez, elle est entourée en jaune, là. Sinon, on clique sur Sélectionner. Voilà, on sélectionne ici. Et une fois que j'ai sélectionné, eh bien, je vais aller dans Fichier et je clique sur Exporter. Là, je choisis Exporter. Alors, je peux choisir Exporter en MP3 en WAV, mais compte tenu des conditions, vous pouvez parfaitement le gérer en MP3 haut de gamme, mais vous pourriez choisir aussi de l'exporter en WAV, ça dépend de comment vous avez importé pardon, les fichiers. Donc là, vous cliquez sur Exporter en MP3. Là où c'est très important, bon, ben ici, vous donnez un nom à votre méditation. Ici, moi, j'ai choisi méditation personnelle. Là, donc on peut corriger, hein, là, vous voyez, je sélectionne. Et je réécris méditation perso
Alors, je choisis l'endroit où je l'enregistre. Là, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Enfin, donc, là, vous choisissez MP3. Là où c'est important, bien cliquer ici sur pré-réglage. Et au niveau de la qualité, là, c'est marqué dément 320 kbps. C'est surtout ce chiffre qu'il faut se rappeler. C'est le MP3 haut de gamme qui est du 320 kbits par seconde. Vous voyez qu'il y a d'autres réglages possibles, mais s'il n'est pas réglé sur 320, vous le réglez bien sur 320. Vitesse variable, ici, il faut bien rester sur standard. Et enfin, ici, vous cliquez sur stéréo. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur enregistrer. Vos pistes seront mélangées, exportées en fichier stéréo. Parfait. Eh bien, je valide. Voilà. Alors là, utilisez les boucles fléchées ou tout genre pour naviguer dans les champs. Là, je ne vais pas me casser la tête. Vous laissez. Ça, c'est des informations qui vont être cachées dans le fichier pour iTunes et tout ça. Laissez faire. Vous avez juste à cliquer sur valider. Voilà. Exportation de l'audio avec le pré-réglage dément. En fait, ça veut dire 320 kbits par seconde. Donc là, on le laisse faire. Et une fois que le travail est terminé, vous allez retrouver le fichier à l'endroit où vous avez choisi de l'enregistrer. Moi, je l'ai choisi sur le bureau. Vous, c'est peut-être dans vos documents ou etc. Bref, là où vous avez décidé de l'enregistrer. Et une suite, il suffira de recopier, enfin de récupérer, pardon, ce fichier pour le transférer vers le Casina. Ben ça, j'ai déjà fait un petit tutoriel ici sur le forum pour vous expliquer comment faire, donc je ne vais pas le refaire ici. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Là, je ne vais pas attendre que ce soit fini. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.